Je m'appelle Joseph Wally et je suis né en avril 2005 à Québec. Dès mon plus jeune âge, j'ai démontré une intensité incroyable, une constance et une persévérance à toute épreuve dans tout ce que j'entreprends. Passionné de pêche et de géologie, je crois en mes rêves et je les réaliserai tous avec brio. Il n'y a aucune limite pour moi. Les relations entre frères et sœurs, je m'y connais. J'ai un frère et deux demi-sœurs. Pour l'espace de maman, je vous livrerai mes observations et mes statistiques d'une façon étonnante et humoristique. Mon frère! La relation entre frère et sœur, c'est pas toujours facile. J'ai une question pour vous. Qui ici a un frère ou une sœur? Levez la main, s'il vous plaît. Vous voyez, ça concerne beaucoup de gens ici. Ça, c'est mon frère. Puis je vais vous dire une chose, il est vraiment, mais vraiment tannant. Grandir avec un préado, c'est pas facile parce qu'on souvent pas une très bonne attitude. C'est comme l'autre jour. J'étais à mon chalet et la pompe était gelée. Alors, il fallait aller aux toilettes dehors. À un moment donné, j'étais allée aux toilettes dehors et là, il faisait super beau, mais là, c'était la nuit, bien sûr. Et là, mon frère arrive par derrière, il prend de la neige. Pas de la neige comme ça, de la neige comme ça, puis il me garoche tout ça dessus. Lui riait comme un bon, mais moi, j'étais vraiment fâchée. C'est comme aussi quand que je jouais à Clash of Clans, puis là, j'ai montré à ma mère qu'est-ce que j'allais faire dans Clash of Clans. Qui joue pas à Clash of Clans? En tout cas, moi, je joue à Clash of Clans. Et je pense que c'est un des jeux sur la tablette le plus joué au monde. Et là, j'économisais dans le but d'avoir une tour de sorcier. Et dans Clash of Clans, quand tu économises, ça peut prendre longtemps et t'économises de l'or. Et là, j'économisais. J'étais presque rendu à avoir ma tour de sorcier. Quand mon frère est arrivé par derrière, il m'a arraché l'iPad des mains et il a commencé à pitonner tous les boutons. Fait que premièrement, j'étais fâché. Puis deuxièmement, il me restait 0 cent. Donc, j'étais vraiment pas content. C'est comme aussi quand je jouais au hockey dans la rue. Et là, ça faisait 30 minutes que mon frère voulait pas sortir dehors. Et là, ma mère disait « Sors dehors, sors dehors! » Mais là, mon frère a sorti dehors. Et le premier mouvement qu'il a fait, c'est de dire « Ça, c'est ma balle et pas ta balle. » Alors là, j'étais allée dire ça à ma mère. Et elle a dit « Les deux vous rentrent dedans pour le reste de la soirée. » Donc, j'étais vraiment pas content. Fait scientifique prouvé sur les relations entre frères. Enfin, on passe plus de temps avec notre frère que nos parents, nos professeurs, nos amis et même qu'être seul. Jusqu'à 11 ans, on passe 33% de notre temps avec notre frère. Les frères se chamaillent beaucoup. Des études ont démontré que de 3 à 7 ans, certains frères vont avoir 3,5 conflits à l'heure. Ça vous rappelle-t-il des souvenirs pour ceux qui ont des frères ou des sœurs? Une grosse partie de la personnalité se développe dans l'interaction avec notre frère. Par exemple, lors de conflits, apprendre à résoudre celui-ci peut être utilisé plus tard dans sa vie. D'autres études ont démontré que dans nos familles, nos grands frères et nos grandes sœurs ont une influence sur les plus jeunes, comme moi, mon frère m'a inspiré dans le sport et dans mes passions. Dans le sport, il m'a inspiré dans la natation, le football et le badminton. Et dans mes passions, il m'a inspiré dans la collection d'insectes. Mon frère, c'est mon meilleur ami parce qu'il peut m'aider dans mes études, mettre du bonheur dans la famille comme de l'humour, la joie et plein d'autres choses. Et en plus, il peut me rendre des services. Donc pour moi, c'est une personne très importante, très fiable. Mon frère, je l'aime comme qu'il est. Sa façon unique de procéder. Et de plus en plus qu'on va vieillir, on va se rendre compte que notre frère est la personne qu'on peut le plus compter sur lui. En bref, mon frère, je l'aime. Merci.